aujourd'hui, on va tryhard sur Brawl Stars. On va tous les éclater. Par contre, si je perds, je vais péter un câble. Mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance, voilà, parce que on va rush le rang or en mode classé. Comme vous le voyez, pour l'instant, on est argent, on est des gros noobs. Mais on va avancer tranquillement, mais sûrement, jusqu'à atteindre le rang final. Le rang star, voilà. En tout cas, ça fait plaisir aujourd'hui de jouer en mode classé. Et franchement, on va pas perdre trop de temps. Peut-être dans la boutique, des petites choses à acheter. Non, ok, on va quand même aller y faire un tour juste après. On lance la première game, on ne perd pas de temps. C'est du Razia de gemmes. Bien sûr, tu me mets ton pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne. Et surtout, dis-moi dans le chat et dans les commentaires maintenant, est-ce que tu penses qu'on va réussir à atteindre le rang or? Ou tu penses qu'on va faire les gros noobs? Franchement, dites-moi à chaque fois quel brawler je prends. Comme ça, on se fait un petit peu de challenge. Là, vous savez quoi? On va partir sur le classique, le petit Spike. Ça, c'est vraiment la source sûre dans tous les modes de jeu. Tu sais que Spike, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. En plus, on a le magnifique skin. Faudrait que je m'en débarrasse quand même un jour de ce skin. Mais ça va. Il est quand même assez marrant. Je suis or, tu vas réussir. Merci les gars. Ok, on a des... Ils croient en mes compétences de réussir à passer au mode or. Franchement, je pense qu'on va aussi clairement réussir. Enfin, non, c'est pas je pense, c'est... On va réussir les gars, on va les dégommer en face. Mais il y a toujours le doute, tu vois. Ça peut arriver. D'un coup, on l'a vu hein, l'autre fois quand on était juste monté pour argent. On sait pas pourquoi, il y avait des bons players qui étaient contre nous. Hein. Bon, déjà, Dynamax joue très très bien. Allez, on explose le Daryl, on envoie le petit ulti. Ok, il s'est pris le wagon, il s'est fait allumer la tronche. Ça, c'est bien fait. Nous, on va mettre notre petit cactus. Le Edgar qui a tenté quelque chose, il a rien fait. Arcade, c'est ciao. Le Daryl, c'est ciao. Non, on fait un petit peu les malins. Mais ça se passe vachement bien pour l'instant. Je pense qu'on va monter or quand même très rapidement. Combien de temps ça va nous prendre? On n'a aucune idée. Salut, El Pigeon. Bienvenue à tous les pigeons. Comme vous l'avez vu, les gars, il y a des nouvelles émotes pour ceux qui ont pris un sub chez moi. Je vais d'ailleurs vous en faire gagner, je pense, aujourd'hui. Mais il y a des nouvelles émotes, il y a des nouvelles animations quand vous prenez vos subs. Bref, vous allez voir, c'est très joli. Et nous, on est déjà en train de gagner. Allez, on s'échappe, on s'échappe. Edgar, non, c'est pas Edgar, c'est Grey. Ne prends pas de risque, franchement, ça sert à rien. On a juste à reculer et à camper. Et tout va bien se passer. Non, pourquoi il va là-bas? Il va là-bas, bon, ça va. Le Daryl, hey, ils étaient vraiment éclatés en face. On les a dégommés. Ça commence bien. Ça commence bien. Moi, j'ai mis 30 minutes à être or. On va voir si possible qu'on fasse 30 minutes aussi. On a déjà notre première récompense. Et on a 2000 de points. C'est vrai qu'on a le boost de rang aussi qui est nul. Attendez. On prend notre petit prix star étoilé. On a 100 petits blings. Et oui, regardez, tu as le petit boost de rang ici parce qu'on était mythique avant. Et du coup, la progression sera boostée selon votre rang de saison précédente. Mais le boost, frérot, il est vraiment bancal. Il te donne pas beaucoup plus. Mais bon, c'est mieux que rien. Et on part en Brawl Ball. Oi, 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 oi. Brawl Ball, Brawl Ball. On prend qui? On prend qui dans ce petit mode de jeu? Une petite mélodie en vrai. Hein. On va se faire kiffer avec ce brawler qui est super cheaté en Brawl Ball. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, le match de foot, ok, il y a évidemment une mélodie aussi en face. C'est que ça peut aller super vite. On peut vraiment prendre des points rapidement et atteindre notre nouveau rang qu'on souhaite. Ok, on éclate la mélodie d'en face. J'avoue qu'il y a quand même un mortis. Ok, on y va, les gars. On y va, c'est maintenant. Non, elle m'a volé la balle. J'allais faire un solo. Ok, peut-être avec les rebonds, en vrai. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pris la confiance. Ça n'a pas fonctionné. Allez, le petit corbac, tu peux marquer, vas-y. Ok, bon, il est tout seul. Il est tout seul, il est tout seul. Tu es trop fort sur Brawl Stars. Alors, parfois, je me débrouille bien. Et parfois, je suis une grosse merguez. Comme là, bon, Brawl Ball, après, j'ai une excuse. C'est pas du tout mon mode de jeu. Je joue jamais en Brawl Ball parce que je sais que je suis pas bon. Et la petite mélodie ici. Vas-y, mais je peux te suivre, hein. Je crois qu'elle a oublié que j'étais aussi une mélodie. Ok, allez, on avance. On avance, les gars, on avance. Oh, quitte, lâche-moi. Lâche-moi. Ok, on va aller là. Hop, on prend la balle avec nous. Non. Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure map par contre avec Mélodie. Il faudrait casser les petits murs là-haut. Et là, on serait trop bien. Allez, la merguez, ouais. C'est moi la merguez. On a des difficultés, hein. En vrai, on les domine. Franchement, honnêtement, on les domine clairement, mais on n'arrive pas à marquer. Donc, si on n'arrive pas à marquer, il suffit que eux, une fois, ils aient une occasion avec leur petit mortis là, ils nous éclatent la tronche, hein. Ok, vas-y, on se le fait, on se le fait. Oh là là, heureusement il y avait Fang. Il arrive à défendre, mais il est en 2v1. Oh là là, la masterclass de Fang. Oh, il nous a mis bien.
Oh oui, ça c'est beau. Si en plus là il m'a marqué, je lui offre des gemmes. Je rigole, hein. Je rigole. Ok, la petite mélodie, elle nous a donné la baballe. Ok, Fang est tout seul. Ah, j'avais pas vu que j'avais la balle. Ok, bon, c'est Fang qui va faire tout le boulot. Il s'est dit, la mélodie là, elle fait n'importe quoi. Je vais faire moi-même le taf. Bon, il a peut-être raison. Ok, on part avec la balle. On part avec la balle, les gars. Oh, c'est le goal. Magnifique. Mélodie, elle est trop forte. Et on prend 112 points. On en prend plus 125, hein. Déjà que le boost de rang, il n'est pas incroyable. Ouais, c'est encore pire. Allez, on enchaîne, hein. Je le dis aujourd'hui, c'est vraiment, on doit atteindre le rang or le plus rapidement possible. On n'a pas le temps pour faire des conneries. Ok, mode braquage. Franchement, là, on peut clairement partir sur un Angelo, une Polly. Ou un Spike. Oh, je sais pas, ils ont pris quoi. Vas-y, on va prendre un... On prend un Spike en vrai, hein. Spike, c'est fort dans ce mode de jeu. Ouais. Vous me l'avez écrit dans le chat, n'hésitez pas à écrire hein, dans le chat, j'essaye de regarder quand je sais pas trop quel brawler prendre. Le brawler pigeon, non c'était pas ça. Mais non, faut pas lancer la game. Après hors jeu c'est pas mon mode de jeu favori, mais je pense qu'on les aurait éclatés rapidement. Oh ça va, on part en hors jeu. Là on va se faire plaisir avec le petit Angelo. Oh je vous le dis, ça va être un massacre. Je vous annonce, on va les dégommer. Edgar c'est le meilleur en braquage, ouais, c'est vrai qu'il est fort. Mais de toute façon il y avait déjà notre allié qui avait pris Edgar. Ok, on a qui? Bon, Arcade ça m'arrange pas vraiment. Angelo en face ça va. Et l'autre c'est Colette, c'est qui? Je connais pas ce brûleur mais normalement il a pas trop de points de vie, donc ça devrait le faire. Le seul qui pose problème c'est Arcade. Avec mon Angelo je dis bien sûr. On va envoyer une flèche au bol. Et bim, on l'a chopé en pleine tronche. Voilà. On l'a déjà terminé, non ça va aller vite ces games, hein. Ok, par contre la Shelly est morte contre Arcade. Edgar qui fonce sur Angelo. C'est une bonne chose, mais il a pas réussi à le tuer par contre. Ok, on va l'aider. Non, ma flèche, je l'ai envoyé dans le... Je l'ai envoyé dans le tonneau. Ok, il y a un petit Angelo par là. Esquive. Hop, non, c'est Edgar qui s'est pris la flèche. On va l'attendre directement. Dès qu'il a atterri, il s'est pris la giga flèche dans les dents. En plus, la map se détruit peu à peu, mais ça nous arrange encore plus avec Angelo. Comme ça, on peut vraiment voir où ils sont. Je crois que j'ai envoyé une bonne flèche. Magnifique. Ils sont où? Ok, Angelo. Oh, il a eu chaud, hein. Je serais pris la flèche, ça aurait été terminé pour lui. Non! J'arrive pas à lui tirer dessus. Ok, on va se replier un petit peu. L'Angelo, là, il veut clairement me terminer. Bon, il a raté sa flèche. Hop, petit gadget. C'est bon, il a raté. Maintenant, c'est à nous. Maintenant, c'est à moi de le courir après. Et j'ai envoyé sur l'arcade. Oh, il est pas mort, Angelo. Pourtant, la flèche est passée, hein. Ok, on a tué Arcade. Il nous manque plus qu'Angelo, je sais pas où il est. À mon avis, il se cache. Il se cache là en haut. Et s'il prend le tremplin, hop, magnifique, il l'a pris. Et là, on attend dès qu'il atterrit. Dégommé, les gars, dégommé. Pourquoi tu réponds pas, les gars? J'essaie de répondre à vos messages. Après, bien évidemment, là, je suis en train de tryhard. J'ai pas le temps. Allez, tue l'Angelo. Mais je l'ai dégommé, l'Angelo. On l'a fumé. Incroyable, allez, s'ils peuvent encore me donner du hors-jeu, du prime, j'aime beaucoup aussi. Là, par contre, on peut se prendre une petite poly sur ce mode de jeu. Ou un spike. Spike ou poly? Je vois que ça a écrit poly, ouais. Léon? Ouais, non, Léon, je sais pas. Hein. Spike, poly. Ok, il y a quand même plus de poly. Allez, on part sur elle. Espérons que j'ai fait le bon choix grâce à vous. On a un Léon en face, ça m'arrange pas. Un Edgar non plus. Une Shelly, bof. Ah, je suis pas sûr là. Pas sûr, hein, mais en soi. Les gars, là, on essaie juste de monter or. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Ah ouais, mais après, c'est vrai qu'on est en prime. On n'est pas en hors-jeu, hein. Bon, c'est pas grave. Edgar, s'il me saute dessus, non. Par contre, ce qui est bien, c'est s'il me saute dessus. Moi, j'ai juste, hop là, à m'enfuir. Et c'est magnifique. On l'a tué en plus. La petite le petit Léon, il a pris très cher aussi. Oh, ça va, il a bien joué, il est allé se cacher. On va aider ici contre la Shelly. Là, hop, elle s'échappe par là. Oh là là, on enchaîne les kills, on a déjà 5 étoiles. Edgar qui nous saute dessus, tiens, petite surprise. Oh, ça c'est trop fort avec Polly, hein. Quand t'as Edgar qui te saute dessus, tu sais que t'es bien. Enfin, t'es bien. T'as l'ulti, hein. Si t'as pas l'ulti, c'est fini pour toi. Non, franchement, on leur met cher. Faut juste pas que je meure, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'étoiles. On va régénérer nos points de vie un peu.
Mais même nos alliés sont forts. Hein. Et il y avait le petit Léon qui a essayé de se rapprocher dangereusement de nous. Je sais pas ce que c'est comme skin de Shelly, ça, par contre, je connais pas. Et ce que je sais, c'est que c'est... Ah, c'est caché. J'allais dire c'est terminé pour elle, mais non. C'est bien caché, bien joué. Mais pas assez longtemps. Oh non, ce boy, il a pris le kill. Encore une victoire de plus. Eh, j'espère qu'on fait full win aujourd'hui, ça serait beau. Hein. 5 kills, 0 mort, plus 112 de points. C'est très correct. C'est très correct, on fera un petit pre-star. De toute façon, allez, on enchaîne, je vous le dis, on enchaîne. Hein. On est bientôt argent 2, je pense. Allez, tout sauf Brawl Ball. Tout sauf Brawl Ball, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Braquage. Oh là, sur Angelo, c'est pas mal. Hein. On est d'accord, là, Angelo, c'est bien, non? On peut passer à travers l'eau. Ou un spike. Non, je pense que là, Angelo, on peut bien servir à quelque chose. Allez, on prend ça. Comme ça, on n'attend même pas. Bien sûr, les gars, tous ceux qui sont là, mettez le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et activez la cloche des notifications. Surtout pour ceux qui veulent jouer avec moi. Parce que parfois, je fais des lives pour jouer ensemble. Et du coup, bah, ceux qui sont sur le live, ils peuvent jouer avec moi. Mais après, il n'y a pas de rediffusion. Donc, il faut absolument être là sur le moment. Et je vais en faire un, d'ailleurs, ce soir. On va jouer ensemble à Fortnite. Donc activez bien la cloche. Ok, là on peut mettre des dégâts à leur coffre. Là on va se faire plaisir. Hop là, une flèche empoisonnée. Deux flèches empoisonnées. Une troisième. Ok, magnifique. On va tuer, hop, celui-là là. Allez, on enchaîne, hein. Leur coffre là, le but c'est de le détruire le plus rapidement possible. On envoie encore des flèches. Oh là là, le Edgar qui fonce dessus. Ah ouais, mais là c'est bon, hein. Là c'est la victoire. Moi je suis en train d'envoyer des flèches depuis avant. Tout le monde s'en fiche. Genre, y a que Edgar qui est important ou quoi? Ah, j'ai raté par contre la flèche là. Pourtant, je crois qu'on aurait pu casser leur coffre. Bon, c'est pas grave. Hop, on va directement rebondir en avant. Et on va aller terminer leur coffre. Hein. Je vais même pas essayer de leur mettre des dégâts, regardez. Hop! Et c'est fini! C'est la victoire! Aïe aïe aïe. J'ai fait qu'un seul kill. Ok, on est quasiment 2500. On avance très très bien, les gars. Regardez-moi ça. Encore 5 victoires. Et c'est plié. C'est plié. On est or. Et après, on va monter diamant. On va monter mythique. Après, légendaire. Et après, on sera star. Oh, on repart en prime. Prime, mais munitions perçantes. Les dégâts s'accompagnent désormais de dégâts supplémentaires sur la durée. Ah, c'est relou, ça. En vrai, une petite poly, hein. Poly, je pense. Avant, on a fait un beau carnage. Je me dis, on va continuer comme ça. T'as 11 000 trophées, t'as tous les brawlers. Ouais, j'ai tout acheté. Si tu savais, j'ai plein de skins aussi. Ah, mais j'avoue, je suis un pigeon. C'est... Franchement, j'ai pas d'argument là. Non, il m'a tué en plus. Je peux rien dire à part que je suis un pigeon. Ok, bon, aujourd'hui, pas de pigeonnage. On va peut-être voir s'il y a un ou deux trucs à acheter dans la boutique. Mais c'est pas prévu. Aujourd'hui, c'est plus du tryhard qu'autre chose. Quand j'avoue que les jumeaux, ils sont pas mal relous. Hein. Ok, on lui a envoyé une bonne flèche. On peut le terminer, ça me ferait plaisir parce qu'il m'énerve. Ok. Et c'est ciao. Edgar, il va mourir, je pense, avec l'effet de poison, du coup. C'est pas mal, ça, hein. L'effet de poison. Edgar qui a pris le kill sur Surge. Oh, oh. Ok, l'ulti de... L'ulti des jumeaux, très, très relou, hein, on le connaît à force. Edgar me saute dessus. J'ai mon ulti de près. Surge, non. Surge, il a juste esquivé. Ah, il peut même pas sauter dessus. J'avais oublié qu'il était là, Edgar. C'est qui ton brawler préféré? Il y en a plein. Déjà les classiques, hein. Edgar, Spike, Polly, Angelo, Léon. Et qui comme brawler légendaire qui est très cool encore? J'allais dire Korbach, mais non, c'est faux. Korbach, les gars, il est cool, mais sans plus. Ok. Oh, attendez, les gars, vous avez vu le nombre d'étoiles? Oh, c'était chaud. J'avais même pas vu, ils en avaient 18. Nous en avions 19. Là j'aurais été mort, on aurait perdu, hein. Oh. Entre, on arrive bientôt au rang or. Et ça, ça fait plaisir, je crois qu'on a même une petite récompense. 3 stars classés. Sans blings. On se fait arnaquer. Nos petites 600 pièces d'or qu'on récupère avec le cadeau éternel de Njord. Je sais pas comment on dit. Là, vous savez quoi, allez, on va acheter les doubleurs d'XP. 50 gemmes au lieu de 500, c'est un truc de fou, hein. Plus 12 000. Allez, je prends. Même si j'en ai pas vraiment besoin. Hein? Il y a une belle offre comme ça dans la boutique, on achète. Du coup, j'ai combien de doubleurs d'XP?
J'en ai 23 000. Peut-être un peu inutile et beaucoup, non? Ok, on repart sur le même mode de jeu. J'ai envie de vous dire, depuis avant, on gagnait avec Poly, mais on a quand même failli se faire dégommer, hein. Mais je n'aurais pas qu'y prendre d'autres. Angelo, non. Non, en vrai, on repart avec Poly, hein. Ça allait très bien. Ça allait très bien avec Poly. T'as acheté Cordelius Odin. Eh ouais, Christophe. J'ai fait un live et il y a la rediffusion. J'ai acheté le nouveau skin directement hier. Il est sympa. Il est sympa, mais on arrive à la conclusion que du skin Billy Thor, et bon, qui coûte le double du prix du skin Odin Cordelius, je trouvais quand même plus stylé le Thor. Mais bon, c'est logique, il coûte seulement la moitié l'autre. Et j'ai vu dans les commentaires... Ah, j'ai pas mon ulti. Non, oh, j'ai utilisé mon gadget, mais trop tard. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui ont pigeonné pour le skin Odin. Hein. J'ai vu dans les commentaires. Oh là là, mais je suis nul là. Je fais des kills, mais je meurs trop souvent. N'importe quoi. Ok, là, il y en a un, il est AFK. Et on a réussi à tout rater. On a réussi à pas le tuer. Ah, ok, c'est bon. J'ai réussi à m'échapper. Juste, il y a Cordelius par contre ici. Hop. Magnifique. Allez, on le fume. Non. Fais tuer Colt. Cordelius qui veut me prendre en 1v1. Tu m'as pris pour qui là? Ok, ça va. C'est 15 à 11. Faut pas qu'on meure. Normalement, ça devrait le faire. Oh, j'arrive pas à tirer sur Edgar. Hein. Ok. Cordelius qui veut prendre sa revanche, mais qui n'a pas réussi. Allez, il nous manque une étoile, les gars. Une étoile et c'est win. Allez, allez, allez. Yes! On a éclaté le bouc. 5 kills de mort. Bon, j'avoue que je suis mort deux fois un petit peu inutilement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. On est vraiment bien monté là, attendez. Combien de temps qu'on joue? Oh, à peine 15 minutes. Ouais, déjà quasiment rang or, hein. Ça, c'est beau. Je pense qu'on va même aller plus loin, hein. Oh, Varox qui envoie 5 euros. Salut mon poulet, pigeon. Merci de m'avoir rajouté en ami. Et désolé, je peux pas t'aider, je suis diamant. Ah ouais, Varox a déjà farmé. Attendez, on part en hors-jeu. Là, c'est le classique, c'est le Angelo. Good luck, bro. À très vite sur Insta. Merci beaucoup, Varox. Merci beaucoup, mec. Normalement, il y a la notification qui va s'afficher sur l'écran. Il y a toujours un peu de délai. Et vous allez voir, nouvelle animation. Spike caca le goat, mais... N'importe quoi. Oh non, il a pas choisi. Mais non. C'était le meilleur mode de jeu. Et là, ils vont mettre un brawl ball. Ok, non, ça va. Musique perçante de nouveau. Et vu la tête de la map, on part sur Angelo. Parfait. On peut le reprendre. Passe mythique dans un prochain live. Mais ouais, de toute façon, on va faire des lives pour chaque petit rang. Je vais aller petit à petit, mais je me dis aujourd'hui, si on va autant vite rang or, il y a moyen qu'on passe qu'on passe ce diamant, hein. Si vraiment. Angelo, ouais. Ouais, ouais, on part sur Angelo, là. Franchement, si vraiment on est on fire comme ça, moi je vous dis, on rush le diamant directement, hein. Ça va aller plus vite. Et un petit Franck. J'ai réussi à rater la première flèche que j'envoie. La deuxième aussi. Peut-être changer de brawler. Hein. où est-ce qu'ils sont? Il y a la petite belle qui m'envoie une flèche. C'est vrai qu'il y a cet effet de poison qui est un petit peu relou. Le Léon n'est pas si bien caché que ça. Ok, par contre. Non, je vais mourir. Ok, c'est bon, je peux régénérer. Au moins, on leur donne pas d'étoiles. Du coup, je peux pas beaucoup vous aider là, mes mates. Je crois qu'on va perdre, hein, cette manche. Ça sent mauvais, hein. En tout cas, là, vu comme c'est parti, je vous dis, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout, hein. On va tuer quand même le Franck. Normalement c'est bon. Ok, Edgar l'a fait. Oh là là. Dinguerie. Bon, j'ai mis mon ulti un peu bêtement. Je pensais que j'allais mourir avec le poison. Bon, c'est pas grave. On a mal commencé, mais ça va, on est remonté quand même. Ah, par contre là, ouais, le Edgar. Ok, on a réussi à le tuer. Vas-y. Il nous faut encore faire un kill là si on gagne. C'est pas mal parce que vu comme c'était parti... Aïe aïe aïe, faut pas qu'il meure là, non Léon. Oh oui, c'est bon, il a fait un kill. M'a fait peur. Le voit, il fonce comme n'importe quoi là dans le tas. Oh, il avait pas vu que si on meurt, on avait perdu, hein. MDR, t'es amoureux d'Angelo. J'avoue les gars, petit coup de cœur pour Angelo. Oh, quand il est sorti, moi je suis fan, hein. Angelo, je le trouve trop bien. Ok, on peut en zone réservée. Première game. Petit spike, j'ai envie de vous dire, hein. Petit spike là-dessus, ça va très bien.
Ça va très très bien. Mais ouais, je pense que là, on va passer hors déjà autant vite. À mon avis, on va continuer. Hein. Coucou le pigeon. Hello les pigeons. Comment ça va? Aujourd'hui, pas de pigeon. Ouais, si, on a claqué 50 gemmes avant, mais pas de pigeonnage de prévu. On garde ça pour les prochaines vidéos. Allez, et prochain live. Il n'y a pas longtemps, on a fait un gros live pigeonnage. Hein. Il y a toujours la rediff de dispo. C'était chaque défaite, j'achète un skin. Je me rendais pas compte, j'ai pété le budget. Hein. Et alors, on la termine, la petite Meg. Non, elle a évité de justesse les particules de de crotte. Les gars, franchement, ce skin, j'arrive toujours pas à croire que Brawl Stars nous ont sorti ça. Hein. Ça me paraît, mais irréel. On va mettre notre petit cactus. Ça, si le cas, ça me donne des points de vie. Ok, je suis tout seul. On a Grom avec nous, mais il est un petit peu à l'écart. Hein. Je crois qu'il a pas trop envie de venir. On envoie l'ulti. On va mettre un petit cactus. Ok, on a l'hypercharge. Autre Meg. J'ai tout raté. J'ai tout raté, c'est nickel. Ce qui est bien avec Spike, c'est que du coup, tu peux mettre l'ulti au milieu. On est censé être dans la zone. Et du coup, il y a l'ulti, donc c'est dérangeant. Par contre, le Grom, il joue plus là. Il est caché dans son coin. Ah, bah, il s'est fait gramer par Edgar. Il était caché, mais qu'à moitié. Ok, on a réussi à tuer Meg juste avant qu'elle se transforme. Oh, ça nous a mis bien, ça. Et si elle aurait été en robot de nouveau. Vous le savez, hein, c'est très relou, une Meg, ça a beaucoup trop de points de vie. Ok. Bah, vous voyez, elle est là. Et on fait pas mal de dégâts, ça se passe plutôt bien. On va mettre l'ulti là, comme ça, Edgar, il peut pas venir. Et nous, normalement, on termine. Hop. Une victoire encore. Je crois qu'on va passer hors, là, hein. J'adore tes vidéos, merci beaucoup. Et 9 kills, une mort. Ouais, non, là, faut qu'on monte. Oh, ça va être la game pour passer or. Regardez-moi ça. On était bronze. Et là, on va passer or. Et je pense qu'on va essayer de rush le diamant. Honnêtement, je pense qu'on va rush le diamant aujourd'hui. Spike est trop fort dans ce mode de jeu, mais je te jure. Oh, oh, c'est quelle map, ça? C'est quelle map? C'est une map pour le petit Angelo, ça. Ah ouais, vous êtes quoi comme rang? Dites-moi, vous avez déjà farmé jusqu'à quel rang? Moi ça dans le chat et dans les commentaires. Oh, c'est moi où il y a. Est-ce qu'il y a eu la petite animation du don? Soit je l'ai pas vu, soit il n'y a pas eu. Tryharder, ouais, j'avoue. Je tryhard. Le mode classé, ça me met dans un autre mood, les gars, de base. Moi, je suis en mode pigeonnage. Le seul truc qui importe, c'est claquer la thune. Mais j'avoue qu'en mode ranked, ah, c'est. Là, je change totalement de vision de la chose. Hein. Argent. Légendaire 3, diamant. Ah ouais, mais il y en a des, vous avez tryhard. Bon, je dis ça en vrai. Moi, c'est juste pour l'instant, j'ai pas réussi encore, mais. Je compte y arriver. Et le petit Max. Oh, dommage, il a esquivé la flèche. Hein. Je joue pas mal en retrait. Oh là là, mais je rate mes flèches, les gars, je fais n'importe quoi. Ok, le Edgar, il y a moyen de le tuer. Hop, on aide le Spike. Magnifique. Le petit Max. Hop. Une bonne flèche. Ok. Pas le bon qu'il a chopé. Hop là, tu peux aller vite, je te chope quand même. Et les jumeaux, je te chope aussi. Mec, il prend trop la confiance. Hop, une bonne flèche. Ah, j'ai raté là. Non, mais il fallait, de toute façon, il fallait que je me rate un moment. Et Edgar nous a tous dégommés. Oh, 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 oh. Ça, ça sent pas bon, ça. Ok. Magnifique, on l'a tué. Oh, le Edgar. Ouais, par contre, 12. Ok, 16 à 16. Faut pas qu'on meure, les gars. Faut pas qu'on meure. Nos alliés non plus. Et si on arrive à tuer les jumeaux, c'est bon. Si on arrive à les tuer, c'est bon. Oui, l'effet de poison, c'est trop fort. Et c'était la game en plus pour passer hors. 7 kills, une mort. Magnifique. Le Spike, ce gros nulos. Il a fait 0 kill, il est mort deux fois. Et c'est hors 1. Oui, en plus on a pris ça, mais tu as un maximum de GG. Magnifique. Plus un palier gold ajouté à la carte de combat. Oh, c'est stylé, ça. Oh, c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, allez, prix star mythique. On veut un skin. Moi, un skin, qu'il soit beau ou pas beau, ça nous rajoute un skin dans la collection. Parce que je vous rappelle qu'on veut tous les skins du jeu. Ah oui, ah oui, 200 crédits, ça me sert à rien en plus, ça, maintenant qu'on a tous les brûleurs. À rien, ça. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous l'ai dit, on enchaîne. On enchaîne, franchement, on l'a passé tellement vite le or qu'on va rush le diamant. Voilà, directement.
perds pas de temps. Et là, le or, on l'a passé en un peu plus de 20 minutes. Oh les gars, le diamant, on va le passer en 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. Tu penses que tu vas acheter tous les skins un jour? En vrai, c'est l'objectif d'acheter tous les skins de Brawl Stars. Juste, je me dis que tous les skins en or massif et argent massif, vu que ça coûte des pièces en or et qu'ils se ressemblent tous, ça va être chaud. Entre acheter tous les skins... Mais attendez, on est en hors-jeu, je fais n'importe quoi. J'ai fait le gros bourrin. Aïe, aïe, aïe. Et par contre, acheter tous les skins, hors skin, en or massif et argent massif. Ouais, ça, je pense qu'on va y arriver même plus tôt que prévu. Et le Fang, il est mort. J'ai joué n'importe comment. Et on est passé or, à tout moment, on redescend là. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que j'ai oublié qu'on était en mode classé. Et bon, lui, il est aussi pas mal bourrin. Mais il a plus de points de vie que moi. Non. Ah. On a réussi à s'échapper à temps. Hein. Mais c'était chaud. Ok, lui on peut le tuer. Magnifique, fait un kill. Le petit dynamite ou le petit bro quand le one shot normalement. Non, c'est pas allé assez loin. Ok, c'est bon. Du coup, on est en 3 contre 1 contre Dynamite. Dynamite est fort par contre en face. Hein. Le dit Dynamite, ça se voit, il joue bien. Ok, on va régénérer nos points de vie ou c'est quoi. On va pas jouer n'importe comment. Là, si on se prend une défaite en plus, on a perdu la game. Là, on va attendre qu'il sort. Hein. On attend avec la zone. Faut pas qu'on soit collé parce que. Bombe, s'il nous envoie sa giga bombe ou un truc comme ça, c'est foutu, mais c'est bon, on l'a dégommé. On l'a éclaté. Là, on a bien joué. La première manche, n'importe quoi. Là, c'est bon, c'est amélioré. Ok, j'ai mon ulti en plus. Si on arrive à choper bro quand le one shot, ce serait pas mal. Oh là là, c'est chaud. On a mis une belle flèche à Dynamite, mais. Oui, bro, qu'il est mort. Il y a le petit Dynamite là-bas. Là-bas, on a empoisonné en haut, je sais. Oh, oh ouais. Oh, on a gagné. Oh, Dynamite m'a mis cher. Le Fang a bien joué aussi. Hein. Là, la petite Penny. Ouais, on cale. On cale un peu. Allez, on part pour rusher le diamant. C'est parti, c'est parti. C'est quoi ça? Super basse. Ah oui, c'est le truc. Aucun brawler ne peut être immobilisé ou ralenti. Ok. C'est bien sans être bien, ces modes de jeu. On prend quoi, là? On prend qui? Franchement, là, j'ai besoin de votre aide. Je sais pas qui prendre. Edgar a déjà été pris. Spike. Ouais, j'avoue qu'un Spike, c'est vraiment le classique. Hein. Spike, Edgar. Vas-y, on prend Spike. Tout le monde me dit Spike. Edgar, il était déjà pris. Et on part pas en game. Bon, oh, ça me dérange pas. Rakash, c'est pas mon mode de jeu favori. Par contre, là, attendez, c'est quoi cette map? Ok. Je sais pas pourquoi ça m'a fait bugger. Non. Ouais, c'est ça. Et le Angelo. J'ai failli prendre H. J'aurais été trop dégoûté. Je joue jamais avec ce brawler. Ah oui, là on part sur Angelo. Mais ça c'est évident sur une map comme ça. On a qui avec nous? On a Griff, je crois, et Fang. Jesse en braquage. Ouais, c'est vrai que tu peux mettre la tourelle à côté du coffre. C'est pas mal. Là, regardez avec Angelo, vu qu'on a spawn tout à gauche. Et ben, on va profiter du fait qu'on peut aller par-dessus l'eau. Mais moi, je trouve Angelo, même s'il pourrait pas aller par-dessus l'eau, il est fort. Et le fait qu'il puisse en plus passer par-dessus des courants d'eau, c'est trop fort. Ok, le Nani, dès qu'il décale... Hop là, il meurt. S'ils ont en dessous de 4400 points de dégâts, points de vie, on sait qu'on peut les one-shot et là, on fait un malin plaisir. Ouah, pantre. Parce qu'il lui a mis le surge. Oh. Attendez, on va aller finir, pantre. Oh, le karma. Oh, le karma de fou. il s'est passé quoi là? Il y a eu un bug. Il y a eu un bug sur Brawl Stars. En plus, Cordelius, il a son gadget. Sur Janvry, il a bien joué. Hein. Je m'y attendais pas qu'il allait faire un kill avec 200 points de vie. Quoi. Moi, je rate ma flèche. Je vous avoue que Griff, je sais même pas ce qu'il fait. Donc, je sais pas s'il gagne contre un Cordelius. Ah non, non, non. Non, 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 il s'est fait déglinguer. Pourtant, on a tué Nani dès le début en étant 3 contre 2. On a réussi à perdre. Donc là, si on n'arrive pas à tuer Nani, ça va poser quand même problème. Hein. Mettre l'ulti. Ok, Nani. Non, je l'ai raté. Aïe. Ok, on s'échappe. On s'échappe, les gars. On est en 2 contre 1. Si je perds, on a perdu la game. Ok, Nani, normalement, on devrait pas l'éliminer en premier.
Et si je vois un ennemi direct, je lui envoie une flèche. Hein. Il est surjeté là. Ok, on va envoyer. Ah, il y avait pas Nani, dommage. Il était pas là. Ok, hop, je surge. Ah non, il meurt pas. Non, j'avais réussi à tuer Surge, Nani, ça allait être le plus simple. Et c'est la première défaite. Bon, ça va, on perd que 40 points. Et l'honneur. En plus, là, j'aurais pu sauver mon équipe en 2 contre 1. Tout le monde m'aurait dit GG, GG. Et non. Là, ça va être. Il faut coûter un gros noob. Oh non, si je vois un message dans le chat là, Kefko, t'es un noob. Noob. Allez. Et voilà, je vous connais. Vas-y, on va prendre un petit Edgar là. On a un petit Edgar. Ah ouais. Force à toi, t'es nul. Le noob, noob, noob. Ouais, mais ça, je vous connais. Parce que je vous ai dit de pas dire noob là, maintenant, il y a tout le monde qui le spam. Bah oui. Oh, et en plus, j'ai un skin nul sur Edgar. J'ai oublié de l'enlever. Bon, vous savez quoi, c'est ma punition pour pas avoir gagné avant. Ok, le Edgar qui fonce sur mes copains. Je vais les dégommer. Je vais me faire tuer par un mortis quand même. Ah ça. Régénérer nos points de vie. On va leur sauter dessus. Big Jean. Ok, maintenant. Maintenant, hop, directement Dynamite, il meurt. L'autre Edgar, il meurt pas. Mais ça arrive prochainement. Ça arrive très prochainement, ça arrive maintenant. Ok, on est bien. On a l'ulti. Pas besoin, pour l'instant on farme tranquillement les gemmes. Pour qu'ils viennent pas trop nous déranger. Ok, vas-y, je vais me faire. Je vais me faire le Dynamite. Il a rien demandé. Mais je le focus. Ok. Wouah, tous les points de vie qu'il a récupéré, Edgar. Oh, c'est bon. J'ai réussi à résister. Allez, il nous faut une gemme et on va se cacher, Tara. Il y a une petite gemme là-bas, mais je peux pas aller la prendre. Allez, c'est bon, on s'échappe. Ok, là, ça sent mauvais. Non, c'est bon. Magnifique. Trop facile. Attendez, le Dynamite, je vais me le faire. Pour le plaisir du jeu. Et c'est bon, c'est la victoire. Magnifique, les gars. On met les pires chars. Yes. Hein, maintenant, les gens, ils disent pas que je suis un pro player et tout. Ah non, c'est que quand je rate, ça dit que je suis un noob. Bah oui. On va monter là hein. Là on va monter rapidement. Razia de gemmes. On prend qui? Spike. On prend un Spike là dessus hein. GG Kefko, le BG des pigeons. Merci merci. Colt. Oh non, on peut tenter des autres brawlers un peu. Ah mais Colt il est pas assez haut niveau. Ok, je vois que ça spam Spike. Léon aussi, c'est vrai que Léon ça aurait été une idée. Je suis diamant à cette saison et vous. J'avoue que t'es déjà bien là en diamant. Bon, moi je suis seulement or. Mais t'inquiète pas que là ça va farmer le mode classé dans ces prochains jours. Objectif star. Bon, déjà si on arrive légendaire ça serait beau. Ok. Ouais, le gars il m'a bien éclaté la tronche. Oh non, Razia Gem, pas fan de ce mode. Enfin, il est pas nul Razia Gem, mais je trouve ça moins drôle qu'un hors-jeu ou prime. Surtout quand on se fait éclater la tronche par un Edgar quoi. Là c'est directement drôle. Aïe aïe aïe. Et le petit Dynamite qui nous met la misère. Enfin, pas j'ai envie de te dire. Là on l'a tué. Le truc c'est que je peux pas récupérer les gemmes. À chaque fois il y en a un. Aïe aïe aïe. Faudrait qu'il vienne le Spike. Ah l'Edgar, j'ai cru il était avec nous. Oh oh, oh je me suis fait tuer. Allez Billy. Bon ça va, il a pris les gemmes. Mais pas autant que ça. Je suis légendaire, ouais, t'es trop fort. Et là on a un invisible. Je pense que ça va être chaud cette game hein. Oh, on a perdu toutes les gemmes mais non. Ok, faut absolument qu'on arrive à fumer maintenant Edgar hein. Sinon c'est terminé pour nous. Ok, tout se repose sur mes épaules. Tout se repose sur moi. Oui, on a dégommé, on a toutes les gemmes. Ils ont trop la rage en face. Allez, on a les 10 gemmes, on s'échappe. Billy. Arrête là. Oh, si on aurait perdu à cause de lui, on aurait pété un câble. Arrête d'essayer de faire des kills, on a assez de gemmes, mais il est nul, il est nul. Pourquoi il fait ça? Ok, je m'échappe. Ça va, on a quelques gemmes. Je les ai pas toutes, mais j'en ai 8. Oh là là, le Billy, mais ça, il m'énerve ces gens.
On a toutes les gemmes, ils veulent faire un max de kills. Genre en mode, on dirait tu reçois des prix stars légendaires si tu fais beaucoup de kills. Mais non, pas ça le but du jeu de Razia Gem. Ah les gars, on a un problème. Non. Et on va perdre. Billy, je lui mets un pouce rouge après, mais il va voir. Il va voir comme je vais lui mettre un gros pouce rouge. Oh bah regarde, eux ils sont intelligents, tu vois. Bah ils ont toutes les gemmes. Bah oui, ils vont se cacher chez eux. Et non, nous. Ouais, vas-y, on va faire des kills, mais c'est pas possible. Pas possible, là. Bah non, jamais je lui mets un pouce bleu à lui, là. Lui, là, nul. Il est nul. Signale la Billy. Bah non, faut pas la signaler. Que je la signale quoi, joueur nul. Mais ça y est, rage pas, mec. Pas ragé. Oh là là, cette merguez. Je veux pas que je monte diamant. La Billy, elle est nulle, mec, je te jure. Je te jure que là, la Billy est bancale, bancale. Tu peux la signaler si elle est nulle. C'est vrai, ça? Genre, tu peux le signaler à un mec, tu peux lui dire, les gars, bro, ça, faut me bannir, ce mec, il est trop nul. Oh là là. Allez, on se recalme. Là, on va gagner. Là, c'est sûr, on va gagner. Allez, dégommer. La petite Nita Koala. On va plutôt tirer sur leur coffre. Je crois qu'ils ont un AFK en face. Oh non, les pauvres. Les pauvres, les gars. Ah non, ça va, Buzz, ils jouent. Et Pantre, ils jouent. Ok, ils s'en fichent qu'on est là. Bon, bah, on tape sur, sur leur coffre. Hein. En vrai, je sais pas si on va casser notre coffre plus rapidement. Je pense pas, en vrai. Hein. Je pense pas. Là, leur coffre, il est terminé. Hein. On voit deux flèches encore et c'est fini. Hop, on s'échappe. Hop là. Oh, il avait 3% le nôtre. Il avait 3%. Oh, aïe, 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 c'était chaud. Oh là 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 là. On a eu chaud de fou là. Au moins un peu de chance. Bon, par contre, on tombe sur Ball Ball. Mais sur cette map, Mélodie, elle est trop forte. Mélodie, elle est là. Je suis nouveau sur la chaîne et ben bienvenue, mec. Bienvenue. Ah là là. Mélodie, s'il te plaît. Bah ouais, là, j'ai pris Mélodie directement. Ok, par contre, on a un Franck en face. On a un Billy. Ah bah si, Billy joue autant bien que dans la game d'avant, c'est bon, on a gagné. Hein. Ah bah ouais. On n'est pas en Razia Gem, mais... Et dit le Mike, il a tout raté. Ça fait plaisir. Moi, je vais bientôt avoir mon ulti. Ok, on a l'ulti. Oh. Billy m'a envoyé un gros coup dans la tronche. Ça, c'était pas mal. Ok, on les a tous tués. Oh, j'ai cru qu'il avait tiré à côté, Edgar. J'ai cru qu'il avait tiré à côté, ça m'a fait peur. Entre, on a plus l'ulti quand on respawn comme ça. Pas pourquoi. Ah, entre la Dynamite qui m'a chopé. Le bouclier, il m'a chopé. Ok, on prend la baballe. Non, oh, il m'a piqué la balle. Non. Oh, bah ça va, ils ont marqué. Je voulais faire la technique avec Mélodie. Ah bah là, c'est la partie la plus rapide qu'on a faite aujourd'hui, je crois. Hein. Je crois que là, vraiment, on a tracé le truc. Et quoi, je viens de m'abonner, merci mec. Salut le pigeon de la street. Ah ouais, de la street, carrément. Là, on est plus de 1000 sur le live, ça fait très plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, activation de la cloche des notifs pour pas rater les lives en direct. Surtout quand on joue ensemble. Ah c'est vrai, je dois vous donner les subs encore. Allez. Si on gagne cette game, je vous offre 5 subs aléatoires. C'est cadeau. En plus il y a plein de nouvelles émotes et tout. J'ai mis des émotes Brawl Stars aussi. J'ai mis des petites gemmes. J'ai mis quoi encore? Je crois que j'ai mis des... J'ai mis plein de têtes de pigeons. Et j'ai mis des gemmes de Brawl Stars. Hop, le Edgar. Qu'est-ce qu'il a tenté de nous faire là? 3v1, c'est un fou lui. Et la petite Jessie. T'as mis pas mal cher. Oh, j'ai raté. J'ai tout raté. Ah, Edgar Pante là, ouais, là, il l'a déglingué la poli. Hop. Non, Nani, on l'a raté. Oui. Et c'est tellement satisfaisant de viser avec Angelo et quand ça passe. C'est une masterclass. Hein. Le Edgar chez eux, c'est un gros bout. Hein. Et moi, il fonce dans tout ce qui bouge. Je suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. Il a mis des dégâts. Ah, dommage de Nani. Pas assez. Ok,
Et je prends un petit peu cher. On essaie de choper qui là? Non, j'ai raté. Ah les gars, j'ai pas le gadget. J'ai essayé d'utiliser le gadget, j'ai pas réussi. Bon, Edgar c'est un bourrin, mais par contre j'avoue que là il s'est fait dégommer par la poli, mais sinon ça paye. Oh là là, la poli elle a carry je crois hein. La poli elle a carry. C'est, attendez. On passe hors deux, ça ça fait plaisir. C'est quoi des subs? Des subs c'est un abonnement payant à la chaîne YouTube. Et c'est pas moi qui décide les gars, c'était obligé, obligé de mettre un prix, mais j'ai mis une moins chère, du coup ça coûte 1€. Et en gros, bah ça montre que du coup t'as un sub, que t'es abonné à la chaîne, que tu payes 1€. Et t'as un petit badge de pigeon à côté de toi, du coup ça c'est moi j'ai fait. Et t'as des émotes que tu peux utiliser, genre des têtes de pigeon et tout, mais en soi ça sert à rien. C'est juste, c'est stylé quoi. Attendez, je vais vous offrir. Offrir 5 subs, attention ça va tirer au sort des gens. Ok ok, j'ai envoyé les subs. On a Panda qui a reçu un sub, Vino123, Bilel Goat, Nathael Morard et IDZ. Bien joué les gars. Bien joué, bien joué. Vous avez maintenant le petit badge de pigeon. Ok, hop. On est en mode de jeu prime, ça fait plaisir. On a mis une petite flèche à Spike et on s'est échappé en douceur. Dommage qu'il n'a pas fait demi-tour. On aurait réussi à le tuer. Ok, on peut tuer le Korbak un seul coup. Spike, on peut le tuer aussi. Ah, dommage. Ah, il joue bien le Spike. Hein. Il m'a mis deux bonnes esquives déjà. Oh! Allez! Ok, c'est bon, normalement il est mort. Juste la poli, faire attention. Bim! On l'a eu! Le Korbak? Il a pas mal d'étoiles lui. On va essayer de lui prendre ses étoiles. Ok, poli, normalement on l'a one shot. Hein. Non! J'ai réussi à tirer entre les deux. Oh la merguez. Et le Korbak, si on le tue, c'est fini pour eux. Si on tue, c'est fini pour eux. Korbak, viens par là seulement. Oh, ils ont réussi à le tuer. Regardez la petite danse du pigeon. MDR, les modes de pigeon. T'as vu ça? Il est ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ok, on part en hors-jeu. Bon bah on va repartir avec le même hein. Petit Angelo. Un petit bébé hein. L'animation est magique. Eh t'as vu ça? T'as vu ça? Et plus vous avez longtemps le sub, plus vous avez un badge. Pendant un mois vous avez le pigeon en bronze, 2 mois le pigeon en argent, 3 mois le pigeon en or, et 6 mois vous avez le pigeon en diamant. Ça c'est pas la classe. Les émotes, vous les avez dès le début. Tu peux faire gagner les skins Edgar Voleur. Je les ai tous fait gagner déjà, les skins Edgar Voleur. Mais il y aura des concours qui vont sûrement arriver. Oh là là, on est en hors-jeu. La poli. Oh, la pris cher. Elle a pris cher. Le Brock. Le Brock, j'aurais dû recharger un poil plus ma flèche. Aïe, 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 aïe. Eh, Brock. Oh, Raphaël qui a offert un sub. Merci mec. Mais par contre du coup là c'est pas toi qui as le sub hein, tu l'as offert. J'espère que c'était fait exprès. J'espère, j'espère. Oh le Brook il est relou. Non, genre la flèche elle est pas passée. Et nous on va s'échapper. J'ai pas échappé assez loin. Si c'est bon, c'était juste juste hein. Ok, on est en 3 contre 1 contre Edgar. Normalement c'est la fin pour lui. J'ai quand même raté ma flèche. Bien joué à moi. Et là on lui a mise. Et voilà, on a pris le kill en plus. On a pris le kill. Et merci d'avoir offert le sub. Si c'était intentionnel ou pas. Ok, la poli. C'est... la poli, elle a joué 3 secondes dans cette game. Si on gagne cette manche, elle a même pas pu jouer. Et on envoie le poison sur Edgar. Et c'est bon, Brook, on va le finir. Vite fait, bien fait. De toute façon, on le one shot. Wouah, voilà, grosse roquette qui m'a envoyé. Voilà. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Kefko, t'aimes bien Fortnite. Mais oui. T'aimes bien Fortnite, les gars. D'ailleurs, ce soir. Tous ceux qui sont là, activez la cloche des notifs parce que ce soir, on fait un live Brawl Stars où on joue ensemble, on fait un cache-cache géant. J'ai créé une map sur Fortnite. J'ai dit Brawl Stars, non Fortnite. On joue ensemble, j'ai créé une map. Et du coup, souvent je m'amuse à jouer avec vous là-bas dessus. On prend un petit spike, on prend un petit spike. Bon, après ça, les gars, là on a bien avancé de fou. Hein. On est en 45 minutes, j'ai bien envie d'aller voir à quel rang on est. Mais en tout cas, je pensais qu'on allait juste passer or. Et finalement, vu qu'on a fait quasiment aucune défaite, on s'est mis bien. Je vais aller sur la gauche.
Bienvenue, Maroc, dans le club des pigeons. Merci, mec. Et okay. Dynamite qui va nous mettre cher, là. Ouais. Je l'ai senti arriver. Je pense que ça sent la défaite, cette game. Regardez déjà tous les pourcentages qu'on se prend dans les dents. La Elisa qui bouge plus. Okay, la FK, ça va être compliqué pour nous. Hein. Ça fait déglinguer là-bas par le spike. Si on va sur la zone, du coup, est-ce que eux ils récupèrent quand même des pourcents ou ça met en pause, là? Ah ouais, les deux, ils récupèrent. Ça, c'est pas bon, ça. Ok, je vais aller essayer de me les faire. Elisa, reste seulement là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait spike. J'ai oublié. J'ai oublié, non. Ok, faut qu'ils restent à droite. Ok, Elisa qui reste à droite, c'est bien. Mais juste, je sais pas comment je peux les atteindre. Oh là là, le ricochet, il est fort. Hein. Enfin, c'est pas, il est fort, mais en vrai, il spam sur le mur. On n'arrive pas à venir. Allez, faut qu'on essaye, là. Aïe! Possible! On essaie de se les faire. Ok. Dynamite qui vient là, un peu confiant, je pense. Il a réussi à me tuer. Oh là là, ils sont toujours à droite. Non, ils vont gagner. Hein. Ils vont gagner. Non! Bon. Les gars, je pense qu'on va se laisser sur cette défaite. On fera la prochaine fois un live où on va rusher le rang diamant. Mais on est déjà vachement bien monté. Hein. De base, l'objectif c'était juste de passer or. Finalement, on a fait tout ça. Plus la moitié pour passer diamant. Et du coup, on fera ça la prochaine fois. Et on farmera un peu. Franchement, merci à tous d'avoir été là. Bien sûr, vous mettez ce petit pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne. On va partir ce soir, je pense, vers 18-19h en live Fortnite où on va jouer ensemble à ma map. Je vous ai sorti aujourd'hui une vidéo cache-cache qu'on a fait dessus. Franchement, elle est trop bien. Régalez-vous avec. C'était trop bien. Merci à tous d'avoir été là. Régalez-vous avec mes autres vidéos. Et moi, les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao.